Non, c'est bon. C'est bon. Non, parce qu'à un moment, il y a eu. Je sais pas si c'est passé, mais j'ai cru que du coup, l'enregistrement n'avait pas été pris en compte, mais en fait, si. Donc, voilà. C'est la première fois que ça m'a fait ce truc. Ah ouais, donc là, il y a un autre chevalier. Bon, là, par contre, je vais peut-être le balancer, bombarder. Je vais peut-être. Voilà, faire ça. Ça va peut-être. Non, ça va pas suffire, il va me tuer. Bon, alors eux, ils me font chier avec leur bouclier. Oh putain. Ouh la vache. Un coup, voilà. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Bon, là, je dois faire gaffe parce qu'il y en a deux. Oh, qu'est-ce que je fais? Bah c'est pas là. Normalement il y en a deux. Bon bah tant pis. Alors là je suis un peu dans la mouise, ça serait bien qu'ils me redonnent un peu d'astuces ces mecs. Je vais un peu être dans la mouise surtout par rapport à après. Bon ici il y a un petit objet à récupérer. Je pense que en fait c'est un. C'est ça, c'est un objet que je vais jamais utiliser. Mais en même temps, je crois que ça te remonte un peu plus ta stamina en fait. Bon, alors. C'était à 33 si je me rappelle bien. Ah. Voilà. Eux, ils risquent de me poser de beaucoup de problèmes. Alors, un coffre. Un bouclier. Oui, il y a meilleur. Je peux faire, je vais tenter. Ouais, ça a marché. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça les a pas tués, ça marche. Toi, tu meurs. Pousse. Un autre chien là. Voilà. La clé de la cellule. Ah ouais, ça va être. Du coup, je vais devoir retourner sur mes pas. Mange ma petite hache. Ah, le fragment de d'estus. Ça va être parfait. Alors en bas, il y a un gros, mais je vais pas l'affronter tout de suite. Dites. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mes pas. Surtout que là, niveau fiole, je suis un peu dans la dèche. Ah, j'ai oublié cet objet là. Hop, de corps abandonné. Ouais, j'ai assez pour me développer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer le raccourci, aller mettre le raccourci,
rentre. Ok, le gros il est loin, je vais pouvoir passer. Non, je crois qu'il m'a vu. Non, c'est bon, il m'a pas suivi. Oh là, il y a un peu trop de monde là qui se ramène. Non. Voilà. Et bon, là, je vais de ce pas aller au feu là tout de suite. Vite, allez. Et ah, stupide message. Message de con. Ça a failli me tuer tout à l'heure. Bon allez. On est en retour. Je vais utiliser mes âmes. Alors, la dextérité. Ouais, bon, allez. C'est ça, merci. J'ai combien de tenues? J'en ai 4, je vais pouvoir développer ma hache. Alors, déjà, tu vas renforcer notre fiole d'étus parce que ça sert à ça, le fragment. Et tu vas améliorer ma hache. Merci. Ok, la meilleure, merci. Ok, prochain c'est avec 6. Donc voilà. Du coup, alors avant d'aller voir le second boss, on va d'abord aller voir quelqu'un. Du coup, alors grand. Non, merde, quel con. C'était pas par là en fait. Bon, je suis toujours à une mort. Ce qui est bien. Enfin, je pense que je m'attendais pas à mourir vraiment comme ça. Ouais, du coup, là, je me suis planté. Désolé. Alors par contre, le prochain boss qui va arriver, je le sens pas des masses. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une braise pour pouvoir appeler à l'aide, histoire de mieux le niquer. Parce que mes souvenirs, ils étaient pas très heureux contre ce boss-là. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a certains boss où je vais les faire en solo. Hein. C'est juste que la grande majorité d'entre eux sont très imposants et qui me font très flipper. Bon, ils pèsent un petit peu, c'est pas grave. T'as raté. De 200, ça fait très mal. Il est où l'autre? Ah, il est là. Ah, t'as entendu? Ah. Une bombe incendiaire. Voilà. Alors c'est une zone que je suis pas allé parce que c'était pas une raison tant que j'avais pas la clé en fait. Vous allez comprendre pourquoi.
vivement que j'ai l'anneau qui me permet de doubler les points fixés. Là, ça c'est fait. Persomail, c'est un objet de merde. Et c'est aussi la première arme que vous avez quand vous jouez sorcier. Du coup, c'est... voilà. C'est surtout pour lui, là. Ah. You're no jailer, are you? Un autre marchand. From far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Ouais, c'est ça. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the hall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. Ah mais j'aurais pu, alors je suis con, j'ai pas fait, j'ai eu l'affaire, t'inquiète. J'aurais pu imprégner ma hache en fait, pour que ça devienne une hachette lourde. Comme ça elle fait encore plus de dégâts. Bon, vous savez quoi, je vais chercher l'objet en question et ensuite je vais utiliser un os du retour. Et enfin, voilà, je vais... c'est, alors l'anneau qu'il m'a donné, je vais jamais le mettre. Parce que cet anneau light double ta défense quand tes PV sont très bas. Donc déjà c'est un peu pire parce que quand on a presque plus de vie, en général on se soigne. Mais les speedrunners ils utilisent l'anneau qui lui ressemble mais c'est pas la même. L'autre anneau elle est rouge en fait. Ouais, donc les speedrunners ils l'utilisent cet anneau. Faut savoir que je regarde beaucoup de speedruns sur les jeux de From Software, Dark Souls, Bloodborne, etc. Et ce qu'ils font c'est très. Vraiment impressionnant. Hein. Bon, alors on va aller chercher l'objet en question. Par contre, on va devoir passer devant une tonne de chevaliers. Donc, et si ces chevaliers pouvaient me dropper un peu de leur armure, ce serait sympa. Donc voilà, du coup, je vais aller utiliser le raccourci que j'avais débloqué juste avant. Toi, tu vas faire un. Voilà. Oh non mais il est pas bien lui. Voilà, fermez-la, tous bien comme il faut, vous êtes gentil, vous serez mignon. Fleur verte, ça me sert à rien. Enfin si, de base ça sert, mais bon, moi je l'utilise jamais. Ça par contre, je dis oui. L'anneau sacrificiel, ça peut être utile, surtout pour pouvoir éviter d'avoir perdu des âmes. Bon alors, lui je vais tenter de me le faire. Ah. Alors on pourrait croire qu'il va venir vers moi, sauf que pas du tout. Voilà, il va, voilà, il peut pas. J'ai l'impression que son script lui dit non, tu ne passeras pas. Allez, allez, bah, remets-toi en marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué. Ah non, bah allez. Attendez.
Oh non, mais pourquoi il fait ça? Allez, bouge, mets-toi à bouger, putain. Oh, mais c'est une blague. Bon. Vu que monsieur gros plein de souple là il veut pas bouger. Voilà, il me laisse pas le choix. Alors par contre ça cette attaque je déteste cette attaque. Merci pour le fragment, enflure. Putain, il m'avait jamais fait ça celui-là. Jamais il m'avait fait ce coup-là. Alors, la braise. Attendez, j'en ai 6. J'ai 6 braises. C'est quand même énorme. Bon, par contre, je vais m'en mettre une de la mana. Ah, je crois que j'ai oublié de me l'améliorer en plus. Je vais aussi pour ça me remettre un peu de temps pour juste après. On va faire tout de suite. Un carreau standard. Ça va, je vais l'utiliser pour plus tard. Arme, arme de corps. Non, toi tu viens là. Jesse. Et tout seul. Le bouclier que j'ai droppé là, que j'ai récupéré, il est assez puissant quand même. J'avais oublié qu'il était puissant. On va aller à son tour. Bon, là par contre. Allez. Backstab, voilà. Bon, très simple à backstabber cela. Lance longue. Mais je ne peux pas l'utiliser. Il me manque de la force et de la dextérité. Attends, 20? Ah, pour la force ça va, mais pour la dextérité quand même c'est un peu abusé je trouve. Ah merde. Ah merde, non. Putain, j'avais pas qu'il était si près en fait. Bon, et bon. Aucun d'entre eux m'a droppé un truc... plus de mana. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à André de d'ajuster justement pour que j'ai deux fioles de mana pour au lieu d'une. Devant elle, je vais la faire devant elle, ouais. On va pouvoir monter d'un level et on va augmenter la force. Ah merde, j'ai passé le dialogue. Bon, enfin bref, gros, elle nous demande de d'aller chercher le prince Lothric, blablabla, enfin bref. Bon, hausse du retour, sortir du lit-cheveux, et ensuite on va aller voir le boss. Alors, augmente-moi ma force, s'il te plaît. Voilà. J'ai peut-être monté jusqu'à 15 de force. Alors, attendez, je vais voir si je peux imprégner mon arme. Ah, 950. Oh non, j'y étais presque. Bon, attendez, on va faire ça. Ouais, ça donne que dalle. Bon, je vais aller un peu farmer la zone. Ah ouais, alors lui, je vais lui parler, mais à plus tard. Allez, s'il te plaît, laisse pas partir. Ah ouais, tiens, je vais en profiter pour aller faire un truc. Bon, laisse-moi partir. Je sais pas pourquoi il y a ça, hein. Ça sert à rien, ce brouillard.
Donc voilà, donc c'est mes ennemis là, je leur roule dessus. Ah, quand je vous ai dit que j'étais un peu malade, je me foutais pas de votre gueule. Ah putain. Donc c'est 950, si je me rappelle bien. Et je peux aussi améliorer mon bouclier. Hein. Mais bon, tant que j'ai pas le bon, je vais pas. Cache. Là pour l'instant, l'armure que j'ai, c'est l'armure du début, hein, juste pour vous dire. Au cas où, on sait jamais, parce que si jamais je meurs à un moment donné, ça me ferait bien chier. Bon, allez. Y a une zone au début où je suis pas allé, parce que pour l'instant. Je ne sentais pas encore assez puissant. Là je pense qu'avec la hache que j'ai augmenté la tête à terre. Je vous montre qu'il est pas très puissant en question. Vous allez voir de qui il s'agit. Voilà, c'est ça. Cette espèce de lézard de cristal. Lock-le ! Ok, d'accord, c'est fait. Bon, tant pis, allez, on va passer un petit moment dessus. Ouais, non, même au feu, ça va pas faire. Bon, allez, on y va, tant pis, on y va à la hache. Alors, on attend bien qu'il attaque, hein, avant de le frapper. Wow. Pas perdu la moitié de sa life. Et moi je frappe dans le vide aussi, mais quel con. Bon là il a perdu la moitié. Voilà, bon là je le gère, je le gère. Surtout que j'ai un bon bouclier là. Bon. Ah, j'avais pas souvenir de cette attaque. Ah. Bon. Je l'ai eu. Voilà, c'est fait. Ah ouais, quand même, il m'a filé ma truc. Ah, vous avez déjà reconnu. Ah bah je vais pouvoir lever le père encore, hein, du coup. C'est parfait. Ouais, je vais encore lever le P de deux fois. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ma dextérité et mon endurance. Alors, j'espère que quand même j'aurai assez d'âme pour imprégner mon arme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprégner tout de suite, comme ça c'est fait. Et après, on va voir le boss. Attends, je suis bien. Alors, des chiens. Là, je suis en ligne. Alors, on roule dessus comme un rouleau compresseur. Excusez-moi. Ok, donc il va falloir que je vais pas streamer jusqu'à tard parce que j'ai dû aller à un rendez-vous.
Il y a rendez-vous, une histoire médicale pour être plus précis. Voilà, on va aller imprégner tout de suite. Pas ça. Voilà, 174, ça va faire très mal pour le boss. Ah non, je suis mieux en ligne. Bon alors, l'endurance et les extérités. Non, la rigueur en fait. Non, t'es sérieux? Non, attendez. Il me reste que 200. Alors, on va aller chercher tout de suite. Une âme, c'est bien. Alors les deux d'en haut. Ah sérieux. Ouais, j'ai déjà fouillé ici. Ah sérieux? Ah yes, c'est bon. Ah une âme. Welcome husband. Very then hey. Allez, l'endurance. Une âme, j'ai jamais vu ça. Farewell, I made a... Merci ma poule. Alors, du coup, lui là. Ah. Another one, round. Well, you're not alone. Un blasé, en gros. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the... Non, je me branle sur une toile blanche. Bon allez, on va au boss et que ça saute. Alors, c'est pas là. Ici. Ah, j'avais oublié que j'avais ramené l'autre aussi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, on y est, on y va. Et que ça saute. Comment ça, t'es pas mort? Bon, alors, lui, il va m'énerver. Autant que je le suis tout de suite, lui. Voilà, dégage. Je remonte tout de suite. Parce que si jamais je meurs, comme ça, j'aurai pas à attendre qu'il rapique. Ouh, t'es pas mort. Donc voilà. Je peux franchement passer à côté. Voilà. Alors je sais plus si le boss qu'on va aller voir il est immunisé contre les flammes. Bon en tout cas on va être très vite. Ah qu'est-ce que le soldat en acier. Ça par contre là pour plus de protection je suis pour. Alors de la braise. Voilà, il est apparu. Le maître épéiste, donc le gars que j'ai buté juste avant.
Maintenant, tu vas venir avec moi. Et c'est parti pour le second boss. Un boss un peu relou d'ailleurs. Quand je l'ai battu la première fois, je suis mort en même temps que lui en fait. Et bon, heureusement, ça a compté pour comme une victoire pour moi. Bah heureusement, hein, parce que sinon, apparemment, j'avais fait la même chose juste avant et ça me l'a pas compté. C'est vraiment dégueulasse. Donc voici Vente de la Vallée Boréale. Alors par contre, attendez, je vais attendre, je passe mon attaque. J'ai pas esquivé. Ah si, quand même, il prend cher. C'est l'autre qui prend cher partout. Ouais, alors comment il avance. Ouais, vu comment il avance, on dirait vraiment chien. Ah ouais, là il s'énerve, du coup il va bien se... Du coup là il va nous en mettre plein la tronche. Bon, je sais pas moi qui dit ça. Ok. Oh, on se calme. Voilà, dégage. Yes, âme de vorte. Du coup c'est fait, deuxième boss. J'aurais peut-être pu tenter le solo en fait. Bon, c'est pas. Et voilà. Alors, en fait, ce que l'autre, la dame là, elle m'a donné en fait, ça va pouvoir me permettre de pouvoir aller à la zone suivante. Voilà. Hisser la bannière. Bon, là j'ai un petit peu soif. Allez, c'est parti pour un petit coca. Un coca zéro. Bon, pour l'instant, je suis toujours à une mort. Et. Ah, ces espèces de diablotins là qu'on affronte dans Dark Souls 1. Voilà, ils nous ont emmenés à la seconde zone. Alors du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre hors line. Histoire, du coup, je vais devoir quitter le jeu pour en revenir. Ouais, voilà. Bon, désolé, hein, mais voilà. On est à, dans le côté du jeu, on est à moins d'une heure et on est déjà à la seconde zone. Ah, purée. Pardon. Ah, lâche.